Eh bien, bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille de nouveau au siège de la Banque Populaire du Nord. Je crois que ça fait pas loin de 18 mois qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble, donc ça fait du bien. Même si nous continuerons la retransmission des pitchs, mais en version replay, et seulement dans 7 jours, donc vous avez la primeur des pitchs, c'est ça qui est bien. La BPN est désormais le partenaire bancaire exclusif d'Investinov depuis près de 4 ans. Ça fait déjà maintenant pas mal de temps et je voulais juste redire que pour nous c'est un partenariat essentiel parce que ça permet de conforter notre place de banque des PME et des entreprises innovantes. Et nous avons vraiment à cœur d'accompagner des entrepreneurs qu'on va avoir ce soir qui permettent de faire rayonner notre région. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que nous sommes partenaires maintenant depuis un an de la Business Angel Academy. Je vois quelques membres qui est un réseau de Business Angel. Et donc, c'est aussi important pour nous de pouvoir accompagner ces personnes et de pouvoir financer ces projets. Et puis enfin, la Business Angel Academy, nous sommes partenaires. Précise peut-être à quoi correspond la Business Angel Academy, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Oui, non, tu as raison, mais j'allais justement dire, en fait, nous sommes partenaires. D'abord, on est partenaires au travers de notre banque de gestion privée, Jouard Pageot Martin, ça c'est important. Et effectivement, la Business Angel Academy est vraiment un réseau de Business Angel auquel vous pouvez, si vous le souhaitez, adhérer. Ça vous permet de réseauter ensemble, de partager vos expériences. Et quand on fait ce genre de soirée, on essayer de faire témoigner un business angel sur un de ses échecs ou une de ses réussites. Et donc, c'est en général très apprécié par les investisseurs. Et puis, je voulais aussi vous dire, donc voilà, Investinov pour nous, c'est une très belle histoire, puisque ça fait déjà 4 ans. Et on va célébrer cette histoire, puisqu'on lance notre première soirée des ambassadeurs, qui a lieu la semaine prochaine, le 14 octobre, où on va réunir tous les lauréats d'Investinov, avec plusieurs témoignages de belles réussites. Voilà. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être ici, et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Stéphanie de ton accueil toujours merveilleux au sein de cet établissement. On est content de retrouver tout le monde. On peut garder son masque, on peut enlever son masque. Vous avez du gel hydroalcoolique absolument à tous les endroits, donc n'hésitez pas. Alors, vous avez sur vos chaises un petit papier. C'est une nouvelle méthode pour poser vos questions. Il suffit de faire le numéro, de poser votre question, et c'est extrêmement simple. Alors, vous connaissez notre format, il n'a pas changé. 7 minutes de pitch, 7 minutes de questions, 7 minutes de questions animées par Yannick Boucher, le chef de... Alors, à chaque fois, je me gourre. Chef du service économique. Ah, bah, c'est marqué devant moi, donc c'est bien. Chef du service économique de la Voix du Nord. Moi, je te présente toujours comme directeur de l'économie de la Voix du Nord. S'il te plaît. Pas encore. Voilà. Alors... Je voulais insister sur un point quand même assez extraordinaire, c'est que depuis janvier 2021, nous avons pu assister à 6 levées de fonds dans des lauréats Investinov. Vous avez Tradine, rappelez-vous, c'était le règlement des impayés pour les banques. Vous avez Diagrans, technique pour la maintenance prédictive. Vous avez Go My Partner qui remboursait vos activités sportives. Je ne sais pas si ça vous remémorait ces différents dossiers. Vous avez Nirio qui était ce fameux bras robot qu'on pouvait très facilement mettre en œuvre. Vous avez Redison pour apprendre la batterie facilement. Et vous avez Nutri-Earth, complément alimentaire issu des insectes. Et ces 6 dossiers ont réussi à lever 10,7 millions d'euros, ce qui est quand même une très belle réussite. Alors, au cours de cette soirée, on va avoir un petit interlude avec le coup de cœur KPMG que remettra Julien Meunier. Je l'ai croisé tout à l'heure, je ne sais pas où il est dans la salle, je ne le vois pas. Julien, tu nous diras quel est ton coup de cœur. Alors, le coup de cœur, je le rappelle, c'est KPMG examine tous les lauréats qui sont passés devant vous et choisit un des lauréats au travers des 4 soirées qu'on a fait au cours de l'année. Eh bien, Yannick, je te passe immédiatement la parole pour présenter les différents porteurs de projets aujourd'hui. Merci beaucoup. Et l'énumération des startups
peur que nous avons soutenue, que vous avez soutenue l'année dernière, les fameux 10 millions, on continue à les suivre. Et ce sont vraiment des belles aventures entrepreneuriales qui, entre nous soit dit, permettent aussi de mettre en valeur les sites d'excellence dont ils font partie. Eura Technologie, Pleine Image, et évidemment Eura Santé. Je précise aussi qu'on est la métropole ici à Lille qui est la mieux organisée sur l'écosystème d'accompagnement des startups en France. Ça mérite d'être souligné et on voit bien à chaque fois le dynamisme les stimulations entrepreneuriales, elles sont vraiment là. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous avons 4 porteurs de projets, dont 3 qui ne sont pas encore tout à fait aboutis, mais qui comptent sur vous pour le faire, pour se déployer. J'appelle tout de suite, comme ça on sera bien dans les temps, n'hésitez surtout pas à appeler, on vous a rappelé la méthode, Valentin Comarteau. Valentin, si tu peux me rejoindre. En attendant, Valentin, n'hésitez pas, il y a beaucoup de place au premier rang, vous pouvez venir plutôt que de rester debout. La soirée dure une bonne heure. On accueille Valentin, on peut l'applaudir. Avec un joli pull jaune, c'est très solaire, ça fait du bien, et aux couleurs de ce beau projet qui est Moa. Alors, on va se vouvoyer puisque c'est d'usage. Donc, vous êtes cofondateur avec Quentin Rickwart de Moa. Vous nous direz après pourquoi vous avez appelé votre projet Moa. On va prendre une grande goulée d'air avec vous, puisque en fait, le pitch, c'est aider chacun à vivre en bonne santé et à tous âges. Vous proposez avec une application un compagnon de la santé. L'idée de départ, c'est le manque d'éducation aux soins, à la santé en France, et également le manque de prévention santé globalement au sein des entreprises. Il y a beaucoup de travail à faire. Vous proposez une solution digitale entre l'algorithme, c'est pour ça que vous êtes à Eura Technologie, et en compétences santé, c'est pour ça que vous êtes également incubé au sein d'Eura Santé, une double incubation. Comme ça, on ne peut pas se planter, c'est sûr, c'est ceinture et bretelles. Et le rapport au travail, bien sûr, a changé avec cette crise sanitaire. Il continue de changer, et c'est pour ça qu'on va bien vous écouter. Vous avez 7 minutes pour nous présenter Moa, votre mieux-être à portée de main. À vous de jouer, 7 minutes, pas une seconde de plus. Ben merci beaucoup Yannick pour cette présentation. Merci à tous d'être ici pour écouter ce que j'ai à vous présenter ce soir. Donc c'est vrai que Moa, on s'est donné comme mission d'entreprise d'aider chacun à vivre mieux à tout âge en bonne santé. Et pour faire ça, je vais tout de suite vous donner un cas pratique, celui de Karine. Karine, aujourd'hui, c'est une salariée d'entreprise qui est malheureusement en situation de mal-être physique, mental et social. Et malheureusement, elle ne sait pas comment s'y prendre pour prendre soin de soi, pour se prendre soin d'elle, pardon, au quotidien. Derrière, il y a son employeur. Et son employeur, il a une problématique, c'est qu'il a observé que Karine, elle ne va pas bien. Mais malheureusement, c'est assez touchy de s'engager pour le bien-être de son salarié. Alors comment faire pour l'accompagner? Mais comment faire pour accompagner tous ses collaborateurs qui peuvent se retrouver dans cette situation et qui finalement ont des coûts humains, mais ont des coûts aussi financiers pour l'entreprise et ses performances? Ces coûts, ils sont mesurables aujourd'hui. Ils sont mesurables et ils représentent en moyenne 14 000 euros par an et par collaborateur. Mais le problème, c'est que les entreprises, elles n'ont pas l'expertise, elles n'ont pas le temps de pouvoir accompagner finalement l'ensemble de ces populations. C'est pourquoi avec Moa, on a choisi aujourd'hui de faciliter l'accès à un état de mieux-être. Et pour faire ça, on a développé 2 solutions. Une première, un compagnon de bien-être qui permettra à chacun de développer son bien-être au quotidien. De l'autre, des services qui permettent à l'entreprise de concevoir et piloter sa stratégie de qualité de vie au travail. Alors si on reprend le cas de Karine, quand on lui met à disposition, à travers de son entreprise, notre application, elle va pouvoir évaluer de manière scientifique son bien-être. Cette évaluation, une fois qu'elle rentrera dans nos algorithmes, lui permettra de bénéficier de contenus, de programmes personnalisés que l'on crée aujourd'hui avec plus d'une quinzaine d'experts du bien-être et de la santé. Finalement, ce qu'on propose à Karine, c'est un accompagnement jour après jour sur les dimensions physiques, mentales et sociales. Un vrai compagnon. De l'autre côté, on a l'entreprise et grâce aux données que l'on fait de bien-être sur les collaborateurs, que l'on remonte de manière anonyme, on est capable de montrer un scoring de bien-être à finalement son employeur. Ce scoring, qui se base finalement sur des données concrètes de bien-être et de santé, va permettre
à l'équipe MOA et à l'entreprise de concevoir et de mettre en place les actions nécessaires pour améliorer la qualité de vie au travail. Ça traduit par quoi ? Par des ateliers, de la formation et finalement un ensemble de solutions qui permettent d'améliorer également la qualité de vie au travail. Derrière tout ça, bien évidemment, il y a des outils de mesure d'impact. Comment on montre que le bien-être impacte finalement les aspects financiers de l'entreprise ? Mais MOA, ce n'est pas que ça, c'est beaucoup plus. C'est toute une plateforme aujourd'hui qui, demain, souhaite digitaliser finalement toutes les thérapies non médicamenteuses. Comment chacun va pouvoir prendre soin de lui et finalement réussir à pouvoir développer son bien-être de lui-même. Finalement, comment on va l'éduquer à la santé, puisqu'on le sait très bien, aujourd'hui, l'expression « prévenir plutôt que guérir » n'est pas forcément d'actualité. MOA, c'est aussi tout un projet de recherche en prévention, en prédiction des risques, pour accompagner au bon moment les bons individus avec les bons contenus et les bonnes actions à réaliser dans son quotidien. Finalement, MOA, c'est aussi un tout en un, c'est une solution qui va venir influencer nos populations dans leur changement de comportement. Bien évidemment, derrière tout ça, il y a une équipe d'experts, des experts métiers qui se sont formés à l'entrepreneuriat, mais qui connaissent leur boulot. Derrière, on est accompagné par des mentors, on a 4 collaborateurs et on a plus de 15 partenaires experts qui nous permettent de pouvoir intervenir au sein des entreprises, de pouvoir créer ces solutions. Notre modèle économique est le suivant, ce sont 2 abonnements. Un premier pour l'application mobile que l'on vend par collaborateur et par mois aux entreprises. Le deuxième, c'est un deuxième abonnement, ce sont les services qui nous permettent de piloter, concevoir et mettre en place les services de bien-être au travail, de qualité de vie au travail pour l'entreprise. Donc finalement, quelque chose d'hybride qui facilite la vie à l'entreprise. Aujourd'hui, le marché du bien-être, je pense que vous le savez, mais il est en train d'évoluer, il évolue très vite. Alan, dernièrement, qui rachète Jour, et d'autres acteurs qui arrivent, et tout ça se structure, s'accélère. Pour nous, c'est pareil, ça s'accélère, mais notre terrain de jeu aujourd'hui, c'est un marché qui représente 5% de l'ensemble du marché total du bien-être au travail, et notre terrain de jeu, c'est 5% de ce marché. Ça représente finalement un pool d'environ 180 entreprises. Derrière, forcément, on a des ambitions. Nos ambitions d'ici 2023, c'est d'aller vers le 3 millions de chiffre d'affaires avec 34 clients, 144 000 utilisateurs payants, et différents emplois. Notre stratégie est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup expérimenté. MOA, c'est aussi un premier pivot. C'est sur le terrain des hommes, des femmes qui se sont déjà structurés pour répondre à ce besoin de qualité de vie au travail, ce besoin de santé. Et donc, on est arrivé, suite au POC que l'on a déjà réalisé, maintenant à une première commercialisation de cette application. Les services, pour le coup, c'est déjà fait. On cherche à accélérer sur ce marché, on cherche à lever 720 000 euros pour recruter une équipe technique, mais également une équipe commerciale. Derrière, on vise déjà une deuxième levée de fonds, de sorte à pouvoir continuer à développer nos algorithmes, nos technologies, mais également se lancer sur d'autres marchés, celui des écoles par exemple, qui est très similaire. Derrière, bien évidemment, on a l'envie de s'internationaliser. L'Europe, on a aussi l'outre-Atlantique sur lequel on a de la concurrence, mais on a surtout une différence. Le plan de financement est le suivant, c'est qu'on recherche 720 000, comme je viens de vous le dire. On a déjà validé 360 000 euros avec différents outils financiers. Il nous reste 200 000 euros de fonds provenant de Business Angel aujourd'hui. C'est pour ça que je suis devant vous. À quoi vont servir les fonds ? Ils vont servir à constituer une équipe commerciale. Ils vont servir à constituer une équipe commerciale, à continuer nos prestations de recherche et de développement, à travailler avec les laboratoires, à valoriser à travers des salons nos solutions, mais également à créer d'autres contenus plus influents sur le bien-être et la santé. Investir chez MOA, c'est investir aussi sur un projet qui maille des compétences territoriales. On travaille avec des laboratoires, on travaille avec des parties prenantes qui aujourd'hui nous permettent aujourd'hui d'accélérer, d'être meilleur sur notre marché. C'est aussi investir dans un projet qui va servir à développer durablement le bien-être et la santé. Enfin, c'est investir dans un projet qui est prêt à accélérer. On a des touches avec des mutuelles, on a des touches avec pas mal de clients sur Paris, dans le monde du luxe, dans tout secteur d'activité, c'est ce que je vous présente ici. C'est que notre modèle, il est duplicable, il est scalable. On a travaillé avec différentes entreprises dans différents secteurs d'activité à des échelles différentes. On peut mettre en place aujourd'hui des solutions pour améliorer le bien-être de nos populations. Prendre soin de ses salariés, c'est prendre soin de son entreprise. Aujourd'hui, je suis accompagné de Quentin. Bien évidemment, il y a mon équipe aussi que je représente. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, en savoir plus sur comment investir chez MOA, on est là et puis vous ne pouvez pas nous louper, on est des plus jeunes. Merci à tous.
Merci beaucoup Valentin, n'hésitez pas à poser des questions s'il vous plaît, si un aspect de la question vous a échappé, on y revient bien évidemment. C'est quoi votre différence? Parce que sur le marché du développement personnel appliqué à la santé, il y a énormément d'applis, le marché est encombré, pourquoi vous êtes différent? Pourquoi on vous suivrez vous et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'aujourd'hui, on a une vision holistique du bien-être et de la santé, c'est de travailler sur les trois dimensions, physique, mentale et sociale, et toutes les autres sous-dimensions que cela comprend. Moi, c'est une vraie méthodologie pour aujourd'hui créer des programmes et les personnaliser selon les besoins des individus. Les trois piliers, donc la psycho, le physique et le social. Le social, les autres ne le font pas. Les autres ne le font pas. Aujourd'hui, les autres sont spécifiques à un seul domaine. D'accord, oui. Les experts, comment les trouvez-vous? Qui sont-ils? Peut-on leur faire confiance? Ce sont des scientifiques, ce sont des sophrologues, des médecins, des pharmaciens, dites-nous. Alors on a tout un process de recrutement, on va venir valider en fait les compétences, l'expertise de l'individu et sa capacité aussi à créer du contenu de qualité. Mais par exemple, quel type de métier exerce-t-il? Aujourd'hui on a des kinés, on a des médecins, on a des responsables des transformations dans les entreprises, donc un ensemble qui travaille sur toutes les problématiques et de bien-être et de qualité de vie au travail. D'accord, avant une première question, l'appli est en test aujourd'hui, résultat dans un mois, comment ça s'est passé? Donc ça se passe très bien, on a des très bons retours sur le design, sur les visuels. Là, ce qui nous reste encore aujourd'hui à ajouter, c'est quelques algorithmes assez techniques pour venir favoriser l'apprentissage et tout ce qui est système cognitivo-comportemental. D'accord, il y a donc une question. Quel type d'atelier MOA propose-t-il? Ça peut être tout simplement du sport, ça peut être du yoga, comme ça peut être aujourd'hui aussi des formations sur la communication, la reconnaissance, l'estime de soi. C'est un ensemble finalement d'activités, d'ateliers que vous retrouvez, j'ai envie de dire, un peu partout, mais nous on centralise de sorte à proposer les meilleures solutions à tout le monde. D'accord, MOA répond bien aux enjeux RGPD, point d'interrogation. Oui, d'ailleurs on a internalisé une juriste, donc c'est des sujets qui demandent énormément de temps de travail, donc oui. D'accord, l'appli sort quand? L'appli, elle sort en fin du mois. Fin du mois, on est en commercialisation. Donc on a déjà aujourd'hui plusieurs touches qui n'attendent que ça. Je peux donner quelques noms. On a Vinci, par exemple. On a le groupe Puig. On travaille aujourd'hui déjà aussi avec ADO. Donc on a envie de pousser plus loin. On a des mutuelles qui sont très intéressées également pour mettre en place des premières POC et potentiellement pour internaliser MOA directement au sein de leur structure. Qu'est-ce qui les intéresse d'abord? Le vrai projet de recherche qu'il y a derrière, je ne peux pas trop en dire ici, on peut en parler, mais il faudra signer une NDA. Mais il y a tout ce projet de recherche et de développement. Je parlais d'acquisition de connaissances, je parlais d'influence. Tout ça, ça ne se fait pas en tout cas facilement, ça se fait techniquement et scientifiquement. Avant de nous dire pourquoi MOA, et évidemment l'appli va s'appeler comme ça, j'imagine, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Expliquez-nous comment gérez-vous les données collectées? Sont-elles revendues? Sont-elles confidentielles? Alors les données aujourd'hui, elles sont sur un serveur, elles sont confidentielles, elles sont anonymisées quand on les retransmet à l'entreprise, donc aujourd'hui, aucune chance de retomber sur un collaborateur. Son application, ses données, c'est ses données. On revient sur le programme de développement, les algorithmes pour changer les comportements, ça peut faire peur, ça peut effrayer. Ça peut faire peur. Pourtant, on est un peu dans les neurosciences ou on n'est pas dans les neurosciences à ce niveau-là? On est complètement dans les neurosciences. Donc il y a totalement. Peut-être des barrières éthiques à installer, à prévoir. On a eu Facebook, on a vu aussi la capacité à manipuler des élections politiques. On peut aller très loin, mais aujourd'hui, je pense que ça peut être accepté d'avoir une application qui va plutôt dans le sens de la bonne santé. Au moment des tests, la confidentialité a été garantie, bien évidemment. Est-ce que c'était une question qui est revenue chez les personnes que vous avez testées? On a eu cette question, mais j'ai envie de dire, c'est quand nous avons oublié d'être transparents dessus. Sinon, nous sommes toujours transparents sur ce qui est fait des données. Donc, les individus, les utilisateurs, les entreprises comprennent. Très bien. Alors, pourquoi MOA? Tout simplement pour faire référence à soi-même, déjà. Oui. C'est une première chose, c'est prendre soin de soi, MOA. C'est en quatre lettres pour le référencement, c'est plus facile aussi, il faut le dire. Et derrière, ça signifie aussi My Own Health Activity, pour ma propre activité de santé, et ça traduit bien aussi nos ambitions. D'accord, est-ce que vous sentez avec la crise sanitaire, les sujets de santé mentale, de souffrance au travail, beaucoup de choses ont été dites, écrites, des études, etc. Vous êtes complètement dans cette optique d'apporter une solution très concrète dans les entreprises?
Totalement. Aujourd'hui, ce qui fait aussi notre différence, je ne l'ai peut-être pas rappelé, mais c'est cette capacité à mettre en place des services. Là où d'autres entreprises font de la data, mais derrière, c'est que de la data. Finalement, c'est des questionnaires. Et qu'est-ce que fait la direction avec des questionnaires? Il faut les accompagner derrière. Donc accompagner, ça veut dire des programmes de qualité de vie au travail. Tout à fait. Qui sont insuffisants aujourd'hui dans nos entreprises. Oui, et puis qui ne vont pas assez loin, clairement. C'est-à-dire que souvent, c'est des petits pansements, mais on ne va pas forcément toucher les sujets de fond. Et les sujets de fond, il faut aussi les trouver. C'est des signaux, c'est de la statistique. On peut les trouver et on peut ensuite aller les régler. Oui. Que voulez-vous dire par bien-être social ? Le bien-être social, c'est tout ce qui est relationnel, c'est tout ce qui est lié aux émotions, c'est le fait de savoir faire des feedbacks positifs quand quelqu'un peut le percevoir plutôt de manière négative. C'est des sujets qui, finalement, dans nos vies de tous les jours, peuvent nous mettre dans des situations de mal-être. Alors, vous voulez devenir leader des applications non médicamenteuses. Ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que demain, pas besoin de prendre un médicament, simplement se connaître quand on a certains symptômes. Mais ensuite, bien évidemment, on ne remplace pas un médecin. Prévention. Voilà, on est vraiment sur de la thérapie préventive. Tu voulais poser une question. J'ai une question. Il faut me couper la parole. Voilà. Parce que je suis partie. Une question un peu financière. Le modèle économique, donc vous vendez à des clients qui vont l'acheter ou prendre l'appli sous un mode de location pour leurs salariés. Donc c'est plutôt des gros comptes, des grands comptes qui vont être intéressés par ça plutôt que des PME. Ou pas ? Alors, c'est la première question. Dans le modèle qu'on a construit aujourd'hui, on est capable d'accompagner des plus petites entreprises. Mais je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas nos cibles aujourd'hui si on veut rapidement s'autofinancer. Donc on est capable aujourd'hui d'accompagner des plus petites entreprises, mais sur la partie application, c'est là où c'est le plus intéressant. Sur la partie qualité de vie au travail, une plus petite entreprise, souvent à taille humaine, sont aussi déjà capables d'avoir quelques outils. Nous, on vient compléter avec nos solutions. Et le chiffre d'affaires du coup que vous ciblez, parce que je crois qu'on n'a pas eu de données là-dessus, le chiffre d'affaires que vous ciblez pour un investisseur, c'est important. Et le retour sur investissement, il vous faut combien de contrats gros clients pour que vous soyez à l'équilibre ? Bah, ça dépend ce qu'on entend gros client. Gros client, on peut avoir du 30 000 collaborateurs comme du 150 000 collaborateurs. Aujourd'hui, notre capacité à s'autofinancer sur ce premier modèle B2B, en tout cas, c'est 130 000 utilisateurs payants par mois. Donc, si on fait le calcul et qu'on cherche 3-4 entreprises déjà à 30 000, on est déjà à 120 000. Donc voilà, trois grosses entreprises, j'ai envie de dire. Peut-être une dernière question. Vous évoquiez les mutuelles. C'est quoi vos relations avec des mutuelles ? C'est pour leurs salariés ou c'est pour le proposer à leurs adhérents ? Alors, on a une capacité à potentiellement aller vers l'industrialisation avec les mutuelles. Donc, ce serait pour leurs adhérents B2C, donc B2B2C, et leurs clients entreprises. Mais c'est également aussi en interne, hein, évidemment. Pourquoi ne pas utiliser un outil qui est pertinent et de qualité ? Très bien. Le temps qui nous est imparti est terminé. Il y avait quand même une toute dernière question. 15 secondes. Les écoles demain, quel cas d'usage possible ? Alors les écoles demain, il y a plein de cas d'usage possibles, mais c'est la même chose que les entreprises. Elles veulent faire le nécessaire pour nos jeunes générations. Je pense que c'est une bonne cible, puisque demain, nos jeunes générations, si elles sont sensibilisées sur ces sujets, elles pourront faire changer les choses déjà sur les autres générations qui arriveront derrière elles. Donc les cas d'usage, c'est la même chose. C'est mise en place de la solution. Ensuite, mise en place d'activités directement avec l'école, les BDE, etc. Donc ils utilisent notre donnée pour mettre en place les bonnes solutions. Et voilà, ça a l'air simple tout ça. Merci beaucoup. Merci, bravo à Valentin Comarteau. Pour Moa. On va complètement changer d'univers et j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Flamand pour Tribi. La petite musique qui nous va bien se termine. Vous êtes de Saint-Josse, sur la côte. C'est sympa. Des études de droit à l'Université catholique de Lille, puis de la RH à Paris, dans les grands groupes de recrutement et de gestion de carrière. Ça a l'air bien parti. Et puis vous revenez dans le Nord, parce que vous avez un deuxième enfant. Et vous travaillez pour Subrenat, qui est une belle entreprise qu'on connaît bien à Mouveau, dans les textiles techniques, qui vous confie la responsabilité d'une de ses filiales, qui s'appelle Douderme, qui a commencé tout petit en start-up, qui a bénéficié aussi de levée de fonds, et qui faisait des vêtements antibactériens. Et là, vous vous dites, ben, j'ai un peu la fibre entrepreneuriale quand même, ça me va bien, et vous prenez confiance en vous. Et comme vous avez deux préados, que Noël, c'est tous les ans, comme les anniversaires, et que vous constatez qu'il y a énormément de gâchis, énormément de cadeaux qui sont délaissés rapidement, vous vous dites, peut-être devrais-je faire quelque chose pour gagner du temps,
pour que tout le monde soit content finalement, et pour que les enfants aient les cadeaux qu'ils souhaitaient vraiment avoir, et pour vous simplifier la vie. Donc on est parti de cette idée-là, le gâchis aux anniversaires, et puis ça a fait son petit chemin, et vous avez donc, le 20 septembre 2020, c'est marrant, 20 septembre 2020, créé le site Tribi. Évidemment, ça fait référence aux tribus, on va en savoir un petit peu plus, même beaucoup plus, en 7 minutes, à vous la parole. Merci Yannick, bonjour à tous. Donc Tribi, c'est la cagnotte qui change tout. Alors ce n'est pas une cagnotte comme les autres, je vais vous montrer en quoi elle est vraiment différente. Aujourd'hui, tout le monde sait que les entreprises sont dans l'obligation de se démarquer, de proposer des services innovants, différenciants, à forte valeur ajoutée pour leurs clients. Elles ne peuvent plus vendre que des produits. C'est pourquoi Tribi permet aux entreprises de disposer directement sur leur site internet e-commerce de leur propre cagnotte. Donc tous leurs clients peuvent ainsi créer une cagnotte pour tous leurs événements festifs, anniversaire, mariage, naissance, pot de départ, pendaison de crémaillère et pendaison de crémaillère. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc Caroline, maman de Charlie qui a 10 ans, invite tous ses copains pour son anniversaire d'école tous les ans. Il reçoit 4 ballons de foot, 3 BD où elle sait qu'il ne les lira jamais. Et en plus, elle trouve que Charlie est de plus en plus sensibilisé à l'écologie, à l'environnement. Il a envie d'agir à son échelle, mais il ne sait pas comment. Et c'est là où elle va sur le site de sa marque de jouets préférée et qu'elle découvre la cagnotte de l'entreprise. Et à la fin, avec la somme récoltée, Charlie donne 10% de la somme à l'association de son choix, parmi celles sélectionnées par la marque, et il va utiliser les 90% restants pour acheter le cadeau qui lui fait vraiment plaisir. Donc Tribi, c'est la cagnotte qui concilie l'engagement pour la planète et l'augmentation de chiffre d'affaires de l'entreprise. Nous sommes les seuls aujourd'hui, nous sommes la seule plateforme B2B en marque grise à proposer ce type de cagnotte. Si on prend l'exemple d'un de nos prospects, donc vous voyez, c'est la cagnotte La Redoute by Tribi, donc on apparaît bien. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qu'on installe très facilement sur la homepage de la marque et elle est complètement personnalisable. Vous le voyez, c'est le logo, la charte graphique, le visuel de la marque pour s'intégrer parfaitement dans le parcours utilisateur du client. Et elle choisit aussi ses propres associations en fonction de son histoire, de ses valeurs qu'elle va pouvoir mettre en avant. C'est une solution clé en main avec très peu d'impact technique pour la marque. Alors pourquoi cette cagnotte est si géniale ? Elle permet à l'entreprise de ne pas passer à côté des enjeux majeurs tels que l'environnement et la solidarité. Elle va pouvoir valoriser et communiquer sur les actions qu'elle fait auprès des associations. Et elle va même pouvoir abonder. Pour 1 euro versé à l'association, elle va pouvoir abonder, si elle le souhaite, d'un euro. Ça lui permet aussi de, bien sûr, fidéliser ses clients et de recruter des nouveaux clients parmi les participants. Et elle est aussi géniale pour tous ses clients utilisateurs, parce que c'est la seule cagnotte qui permet à la fois d'avoir le cadeau rêvé et d'être hyper fière de donner pour une cause qui nous tient à cœur. En plus, elle est 100% gratuite. Bref, tout le monde est heureux. Donc nous, notre ambition, c'est d'aller chercher 5% des 4687 entreprises et grandes ETI, soit 230 entreprises. Donc vous l'avez bien compris, hein, notre cible prioritaire, c'est les grands acteurs du e-commerce. Alors nos prospects très chauds aujourd'hui, c'est La Redoute et Idekid, mais plein d'autres. Je vous invite à venir me voir tout à l'heure si vous voulez en savoir plus. Alors, nous nous rémunérons avec des frais de setup et de personnalisation qui vont entre 14 500 et 19 500 euros suivant le chiffre d'affaires de l'entreprise, auquel s'ajoute un abonnement mensuel de 1 490 euros qui est scalable en fonction du nombre de cagnottes. Nous visons un revenu annuel régulier pour chaque client compris entre 40 et 50 000 euros à l'année, auquel s'ajoutent les pourboires. Vous l'avez compris, la cagnotte est 100% gratuite. Nous proposons aux utilisateurs, aussi bien les créateurs que les participants de la cagnotte, à nous laisser un pourboire pour couvrir au minimum les frais bancaires. Sur le site B2C qu'on a lancé précédemment, on a 15% de pourboire en moyenne par cagnotte, ce qui va au-delà de nos espérances. Nous sommes 3 associés, avec tous les 3 des profils entrepreneurs et des compétences complémentaires. Donc moi, c'est plutôt RH, finance, mais aussi commerce, parce que j'adore ça. Et après, il y a Gwen, qui a créé en fait sa société de formation en technique de vente et persuasion en B2B, donc un peu le partenaire idéal. Et Rénal, qui est notre expert technique et créatif. Nous prévoyons un chiffre d'affaires de 63 000 euros en 2021 et 1,8 million en 2025, avec un REX de 230 000 euros.
Donc nous, notre recherche en financement est de 450 000 euros. Donc 150 000 euros pour renforcer et recruter notre équipe de développement informatique et bien sûr faire évoluer la plateforme. Et après, en fait, 150 000 euros pour accélérer notre développement commercial avec des nouveaux commerciaux et aussi 50 000 euros en communication, 50 000 en relations clientèle et 50 000 à l'international. Pour bien sûr, en synthèse, hein, recruter les meilleurs, accélérer et dépasser nos objectifs. Nos prochaines étapes. Donc, la sortie de la plateforme a lieu fin octobre. Après, la deuxième étape, c'est la levée de fonds en juin 2022. Où on est déjà bien avancé, mais donc c'est bien parti. En octobre 2022, c'est la version 2 de notre plateforme. L'idée, c'est de pouvoir proposer des cartes cadeaux et aussi de pouvoir en fait mettre le montant de la cagnotte au niveau du panier, au niveau du check-out, ce qui est demandé aujourd'hui par nos prospects. En octobre 2023, c'est d'avoir une version app qui va pouvoir en fait directement être installée chez les clients. Et en janvier 2024, de se développer à l'international, donc en priorité en Europe et les pays anglo-saxons qui ont une forte culture de dons et de générosité. Mais alors bien sûr, on va s'implanter via nos clients français existants qui ont eux-mêmes des sites internet à l'international où on pourra installer très facilement notre plateforme. Alors vous aussi, vous avez maintenant le pouvoir d'agir. Vous connaissez tous autour de vous une marque, une entreprise qui a besoin justement de se démarquer, de proposer des nouveaux services tout en donnant à ses clients le pouvoir d'agir. Donc mettez-nous en relation, ce sera avec plaisir qu'on les rencontrera. Merci à vous. Et je crois qu'on tient, Cécile, avec vous, la recordman des présentations. Est-ce qu'il vous restait encore 49 secondes, même une minute? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, vous avez le droit. Tout va bien? Non, tout va bien. Bon, simplement, merci pour la fraîcheur de votre intervention. On peut déjà voir des choses. Vous dites que la plateforme, c'est dans quelques semaines, mais le site Tribi existe déjà, bien évidemment. En B2C, pour les enfants, il y a les trois piliers, c'est lutte contre la pollution. Parce que ça donne un exemple très concret, ça permet de bien comprendre comment ça fonctionne, cette petite gymnastique entre une cagnotte où on dépose, mais aussi on peut arrondir. Mais en fait, on est parti, l'idée de départ, c'était vraiment de donner aux enfants le pouvoir d'agir. On est vraiment parti du constat des anniversaires d'école où il y avait énormément de gâchis. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a créé un site qui a été lancé le 20 septembre 2020, où l'enfant peut à la fin répartir la somme comme il le souhaite, entre le don à l'association de son choix, entre... C'est-à-dire protection des animaux. Des animaux, pour sauver les océans, ou pour aider les enfants les plus fragiles. Et bien sûr, avoir le cadeau de ses rêves. On l'a lancé le 20 septembre 2020, mais on s'est vite rendu compte avec les confinements, etc., que c'était très bien, qu'on rendait les enfants hyper fiers et heureux. Mais on a eu, via Nature et Découverte, qui était un de nos partenaires... La fondation. Voilà, ils nous ont dit tout de suite, quand on les a appelés pour un partenariat, ils nous ont dit, mais attendez, moi, c'est exactement ce dont on a besoin. Aujourd'hui, on a besoin de valoriser tout ce qu'on fait au niveau de la fondation, au niveau de nos associations. On a besoin de proposer des nouvelles expériences et des nouveaux services à nos clients. Et en plus, on veut développer notre chiffre d'affaires sur Internet. Donc, il m'a dit, non, moi, je la veux en marque blanche. Et donc, c'est de cette idée-là qu'on a bien sûr contacté plein d'autres entreprises et qu'on s'est rendu compte qu'on arrive vraiment au bon moment pour répondre à ces trois enjeux qui sont vraiment stratégiques pour eux. Donc aujourd'hui, le B2C existe, le site existe, mais on se concentre à fond sur le B2B auprès des grandes entreprises du e-commerce. Pourquoi une marque grise ? Ben alors, marque grise, parce qu'on veut apparaître, c'est un de nos points forts, et nos prospects aujourd'hui trouvent au contraire que c'est une bonne idée de s'associer avec une start-up du Nord et d'avoir ce système de co-innovation et de pouvoir justement donc garder la redoute By Tribi ou d'autres entreprises By Tribi. Et donc c'est vraiment notre point fort. Justement, où en êtes-vous avec la fondation La Redoute ? La fondation, Nature et Découverte. On avance très bien, on est au quatrième rendez-vous. Donc là, on est en train d'avancer concrètement. Et est-ce que ça peut inspirer d'autres? C'est le système de la fondation qui les intéresse? Ou est-ce que ça intéresse directement les entreprises et les corporates? Non, nos contacts sont les directions marketing et communication. D'accord. Qui aujourd'hui cherchent vraiment des nouveaux leviers pour augmenter le chiffre d'affaires de leur site e-commerce et en même temps valoriser tout ce qu'ils font pour les associations. Aujourd'hui, c'est primordial. Aucune société aujourd'hui ne peut pas mettre en avant ce qu'elle fait pour l'environnement, la planète, la RSE. Alors, il y a une question. Est-ce que votre site est ouvert à toutes les associations ou seulement à une sélection que vous avez faite? Alors, pour les entreprises, donc, vous l'avez bien compris, vraiment, la plateforme, c'est leur propre cagnotte sur leur site en e-commerce et c'est elles qui vont choisir les associations par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur histoire. Donc, c'est vraiment personnalisable jusque-là et elles vont pouvoir ainsi proposer à leurs clients d'aider leurs propres associations. Voilà.
les clients, peut-être aussi les salariés. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un peu de team building, d'associer les salariés à cette cagnotte en ligne? Tout à fait. On est aussi en contact avec des industriels qui aujourd'hui justement ont aussi une fondation. Et donc mettre en avant des associations, elles ne savent pas comment les valoriser, les communiquer auprès de leurs collaborateurs. Et ils trouvent que cette plateforme de cagnotte qui correspond à tous nos besoins, on a tous des anniversaires, on a tous voilà, des pots de départ et autres, ça leur permettra de communiquer sur toutes leurs actions qu'elles font auprès des associations. Donc oui, c'est aussi ouvert pour l'ensemble des collaborateurs. Bon, il y a une question intéressante. Vous avez parlé d'international avec 50 kilos euros seulement. On fait comment ? Alors justement, on passe par nos clients. C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons à l'international. C'est aujourd'hui, ils ont des sites e-commerce qui sont déjà présents dans différents pays. Et nous, on va continuer à installer hyper facilement notre plateforme. Donc après, c'est des coûts de traduction, hein, bien sûr, c'est des coûts, mais c'est des coûts secondaires. On ne va pas aller s'implanter à l'international. D'accord. Je précise que vous êtes incubé au sein de l'incubateur d'économie sociale et solidaire Évident, qui est le plus important des Hauts-de-France et qui est repéré au niveau national au niveau de son modèle d'accompagnement de 9 mois. Cet incubateur vous apporte quoi ? Pourquoi êtes-vous, je vous ai entendu pitcher avec eux récemment. Qu'est-ce que vous allez chercher avec eux ? Bah, c'est hyper riche. Je vais déjà chercher avec eux des experts. Hein. L'idée, c'est qu'on apprenne tous les jours, qu'ils nous challengent sur tout ce qui se passe et d'être entouré en fait d'un écosystème autour de tout ce qui est environnement et solidarité. C'est très, très riche. Parce que quand vous avez lancé le 20 septembre 2001, vous étiez seul. Oui. Et la solitude, c'est pas terrible hein, quand on crée quelque chose. C'est toujours mieux ensemble. Hein. C'est pour ça qu'on est trois aujourd'hui et que c'est hyper riche d'avoir les incubateurs. D'accord. Les 63 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, ça va vite, non ? C'est uniquement en B2C ou... Non, c'est uniquement en B2B. B2B. Aujourd'hui, on est B2B à fond. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, j'arrive au bout de mes questions. Moi, le modèle économique, nous avons vu, c'est donc de la commission et de l'abonnement. C'est un peu un système hybride ? Oui. En fait, on est sur trois, les frais de personnalisation, de setup, plus abonnement, plus pourboire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous fait des revenus annuels réguliers assez importants. Et alors, quel type d'investisseur cherchez-vous ? Qui pour vous accompagner ? Alors, on ne cherche pas que des financiers. Nous, on cherche des investisseurs qui vont pouvoir nous challenger, nous faire grandir, nous accompagner. On a besoin de s'enrichir pour accélérer. Et donc, ils vont aussi pouvoir nous aider à nous mettre en réseau avec toutes les grandes entreprises du e-commerce. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. C'est tout à fait le rôle d'un BA. Il y a une question encore. Comment justifiez-vous le prix entre 15 000 et 20 000 euros ? Parce que c'est vrai que c'est un peu curieux. C'est quand même un prix un peu élevé, mais pourquoi pas ? Mais comment vous avez calculé ce prix, en fait ? On l'a calculé par rapport, en fait, à nos coûts de personnalisation et d'installation. Et aujourd'hui, on offre un vrai service différenciant aux entreprises. Donc aujourd'hui, elles sont très demandeuses de ce nouveau service. C'est une solution clé en main où elles n'ont rien à gérer. Et donc aujourd'hui, c'est les tarifs aujourd'hui qui sont reconnus par nos clients comme étant justifiés par rapport à toute la partie personnalisation et concept et valeur ajoutée. Vous êtes inspiré d'une expérience ailleurs, dans un autre pays, par exemple, pour cette cagnotte ? Non. Aujourd'hui, en fait, on est encore les seuls aujourd'hui à proposer ce système de répartition entre le don et le cadeau. Soit aujourd'hui, soit on a des cagnottes qui sont 100% cadeau ou 100% association. Et nous, c'est vrai qu'on a fait un mix des deux. Et on est les seuls aujourd'hui à proposer en fait cette plateforme vraiment en marque grise B2B. La question qui tue ? Non, mais c'était pas moi. Justement, je voulais pas faire la question financière pour une fois. Ah. Mais bon, je peux la citer quand même. Quand atteignez-vous le seuil de rentabilité ? Je reposerai ma question après. On atteint le seuil de rentabilité dans 3 ans. Non, moi, ma question c'était. Mais du coup, j'ai perdu le fil. Bon, ça me revient. Ça reviendra. Ouais. Y a-t-il une autre question ? Non, pas de questions. On est sec sur les questions. On en a posé beaucoup. Parce que justement, comme on a meublé très comme à la télé, on a meublé. Et que ça n'existe pas. Comment vous faites pour justement préserver cette innovation finalement, cette idée ? Comment vous faites En étant rapide. L'idée c'est vraiment d'accélérer en fait et d'être rapidement avec les plus grands du e-commerce. Et aujourd'hui en fait on crée vraiment une relation de co-construction. On est déjà en train de réfléchir à la V2 pour voir comment on pourrait encore améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience client. Et c'est comme ça qu'on crée du lien, qu'on fidélise et qu'on avance vraiment main dans la main avec nos clients. Et pourquoi uniquement le e-commerce, les grands commerçants ? Les grandes sociétés de services pourraient aussi... Oui, bien sûr, mais là, on veut aller vite. Par exemple. Et aujourd'hui, c'est eux... En fait, nous, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on passe avec la direction de communication marketing et on leur dit bien aujourd'hui, si vous ne communiquez pas, il ne se passera rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau système de cagnotte. Et au contraire, à chaque fois, ils nous disent, c'est notre métier, nous, on sait faire et nous, on va les communiquer au plus grand nombre auprès de leurs clients et autres. Donc, c'est avec eux qu'on se fera aussi connaître davantage et plus vite aussi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, on peut vous applaudir. Merci Cécile.
On ouvre ensemble une toute petite parenthèse de deux minutes pour vous présenter les deux coachs hein, qui ont accompagné quatre lauréats pour se former au pitch. Marine Cornavin pour Madame Pitch, hein, c'est comment on fait pour bien présenter, bien parler, bien faire passer un message, être bien tranquille. Ce sont des sessions de coaching collectives et individuelles. Elle est conseillère et fondatrice de Madame Pitch, Marine Cornavin. C'est joli. Ce qui est un pitch, c'est développer son leadership par une présentation qui attise la curiosité et marque les esprits. Il y a un site internet, évidemment, madamepitch.fr. Et puis, on va le retrouver dans un instant, des sessions de coaching individuelles avec Julien Meunier, qu'on ne présente plus, qui est derrière moi, expert dans l'accompagnement des startups, expert en innovation, entreprise innovante chez KPMG, à Marc-en-Barœul, sur tous les sujets couvrant, comme la recherche de financement, les levées de fonds, bien sûr, les subventions, le financement bancaire et la fiscalité de l'innovation. Il est là. Est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît, puisque on va avoir le plaisir de t'entendre offrir un prix, un coup de cœur, KPMG. Donc tu prends un micro, s'il te plaît, Julien. Et à toi la parole. Merci Yannick. Oui, alors c'est un événement un peu particulier. On avait pris l'habitude chaque année d'attribuer un prix coup de cœur pour un des lauréats, comme on l'expliquait tout à l'heure. Covid oblige, malheureusement, on n'a pas fait la remise parce qu'on souhaitait quand même le faire sur un environnement physique, dans un cadre plus sympathique que de le faire en mode digital. Et donc, quelque part, on rattrape un petit peu le retard, j'ai envie de dire. Et donc, on va attribuer là ce soir le prix coup de cœur de la session précédente, de la promotion précédente de l'année 2020. Et puis, on profitera d'un prochain événement dans une semaine pour attribuer le prix coup de cœur de la promotion, on va dire, 2021. Le 14 octobre. Tout à fait. Donc la semaine prochaine. Et bien sûr, on est heureux de pouvoir poursuivre notre partenariat et d'enchaîner pour la saison 2021-2022 à l'attribution d'un prix coup de cœur donc l'année prochaine. Voilà, donc en rattrapage, on va dire, avec un peu de retard, mais on dit toujours mieux vaut tard que jamais, on est heureux d'attribuer le prix coup de cœur donc à la société Daily Routine. Maxime, bravo. Si tu veux bien nous rejoindre. Je vais laisser Maxime présenter la société. Juste en deux mots, pourquoi Daily Routine ? D'abord par rapport au pitch, parce que c'est un des facteurs, on va dire, un des critères de choix. Et puis surtout parce que c'est une société qui aujourd'hui a une belle traction, qui a des ambitions à l'international, qui va avoir plein de choses, j'ai envie de dire, à faire dans les prochaines années, des sujets peut-être de franchise, développement en national mais aussi à l'international. Et donc on trouvait que ça avait toute sa place de pouvoir accompagner une belle start-up comme celle-ci. Voilà. Merci beaucoup Julien, je suis ravi d'être là à nouveau. J'avais eu l'occasion de faire un pitch il y a maintenant 4-5 mois qui s'était très bien passé, où j'avais pu donc présenter Daily Routine, qui est un food market dédié à la vente digitale. Donc ça ressemble à ce qu'on appelle les dark kitchens, un terme qui fait un peu peur, mais nous qu'on a complètement ouvert, avec une cuisine qui est faite sous les yeux de nos clients, plusieurs marques, donc des thématiques food très complémentaires, mais vraiment avec des verticales très précises. On a encore aujourd'hui trois marques, une marque de burger, une marque de street food asiatique et une marque de pokeball. On est implanté dans le centre de Lille. Et on est en train de travailler actuellement sur l'ouverture de trois nouveaux emplacements dans la région. Et Investinov, ça a été un sacré coup de pouce pour rencontrer du monde, pour financer ces ouvertures. Donc voilà, merci mille fois et je suis très heureux d'être là à nouveau. C'est rue Gambetta. Merci à tous. Allez les voir, ils sont rue Gambetta. Hein ? C'est ça. Bien. J'en profite peut-être pour remercier Julien et Madame Pitch que je n'ai pas vu. Devant moi en plus, bravo. Parce que grâce à eux, on a ces qualités de pitch incroyables. Vous pouvez aller voir beaucoup de pitch. Vous en verrez pas souvent des pitch de cette qualité. Un grand merci à eux pour leur accompagnement, parce que c'est un vrai accompagnement. Il y a plusieurs séances, il y a du vrai boulot. Et vraiment, on voit la différence entre la façon dont ils pitchent au comité de sélection et un mois après, on les revoit ici et c'est un plaisir. Merci en tout cas à vous deux pour tout le travail que vous faites pour permettre aux porteurs de projets de présenter au mieux leur bébé. Merci Maxime, merci Julien. Alors, il est temps d'accueillir maintenant Florent Ionescu,
je prononce à la roumaine, Martin, pour Clockwork. Alors, vous êtes Lillois, conseil en organisation et management à Paris, ESPEM, anciennement adossé à l'EDEC, et le CIFOP pour une formation RH, également à Paris. Vous travaillez sur les organisations dans les grands groupes, et puis vous vous retrouvez au Crédit Agricole, au sein de la direction RH, et à ce moment-là, on est en 2015, c'est important que je raconte un petit peu l'histoire. En 2015, on commence à parler de télétravail et la banque souhaite instituer 2 jours de télétravail par semaine. Et là, c'est la levée de bouclier. Personne n'est content. Et à ce moment-là, vous observez, vous dites, mais il y a un problème. Quel est le problème? Et le problème, en fait, c'est le lieu. C'est le lieu où travailler dans les meilleures conditions, dans l'entreprise, en coworking, dans des espaces extérieurs à l'entreprise. Et voilà. Et là, ça chemine dans votre esprit. Et pour arriver, donc en mai 2018, donc on n'est pas encore en crise sanitaire, boulevard Carnot, vous ouvrez donc le Clockwork, qui est un espace de coworking qui est superbe. J'ai eu le plaisir de le visiter. J'y suis allé hier, on s'est rencontrés d'ailleurs. Et vous êtes 4 avec votre épouse, qui m'avez-vous dit votre première business angel, celle qui vous a stimulé, qui vous a un petit peu piloté au départ. Et Clockwork, ça marche très très bien. Vous avez 7 minutes pour nous en parler, surtout pour nous dire pourquoi vous avez besoin d'argent et de ressources et d'énergie pour déployer le modèle, parce qu'on va comprendre que ça ne fait que commencer cette aventure-là. À vous la parole. Merci Yannick. Alors aujourd'hui, ce sont près de 600 000 personnes qui se croisent quotidiennement en entrée et sortie de la métropole de Lille. Un habitant de la région perd en moyenne 128 heures dans les bouchons chaque année, et c'est une réalité qui est connue par à peu près 71% des actifs de la région. Pour solutionner ce problème, nous avons conçu le Clockwork, un café de quartier professionnel qui demain maille les cœurs de ville moyennes de la région de France. Et pour vous illustrer ce qu'est un café de quartier professionnel, je vous présente Nadia. Nadia est indépendante, elle travaille essentiellement de chez elle, mais de temps à autre, pour rompre l'isolement ou tout simplement pour rencontrer des partenaires ailleurs que dans son salon, elle vient au Clockwork. Elle utilise alors notre espace de coworking qui est accessible sans réservation et à partir d'une heure. De temps à autre, elle a besoin de s'isoler, de calme, de confidentialité, et alors elle réserve l'une de nos 4 salles d'entretien, disponibles également à l'heure. Comme elle vient désormais très régulièrement, elle a décidé d'opter pour l'un de nos forfaits prépayés. Ça lui permet de bénéficier d'un abondement de crédit et surtout de ne pas générer une facture à chaque passage. Comme ce crédit est valable sans contrainte de temps, elle ne se pose plus vraiment la question de son plan de charge. Quand elle en a besoin, son crédit l'attend. Et demain, quand elle va devoir recruter parce que son activité se développe, elle pourra partager cette enveloppe de crédit avec l'ensemble de son équipe. Nadia travaille également avec Arnaud, un autre coworker, et ensemble, ils ont développé une offre de formation Parcours Management, qui est destinée à une cible B2B et grand compte. Elle trouve au Clockwork une salle de réunion qui peut accueillir jusqu'à 25 personnes et qui est accessible aussi bien à sa clientèle lilloise que parisienne, du fait de la proximité des gares. Mais comme le Clockwork, c'est aussi un espace de coworking, la relation ne s'arrête pas là, et nous avons référencé son offre auprès d'une dizaine d'autres contenus proposés par d'autres coworkers, et ensemble, nous avons packagé une nouvelle offre qui contient désormais un contenu pédagogique, une salle de réunion, mais aussi des pauses café qui sont servies dans l'espace coffee shop du coworking, adieu les thermos de café en salle, et également un buffet maison qui est proposé par une traiteur de la communauté, adieu les plateaux repas insipides. Alors je vous parle aujourd'hui de Nadia, mais j'aurais pu tout aussi bien vous parler de Jérôme, qui est un cadre dirigeant, qui vient régulièrement télétravailler chez nous, d'Antoine, qui est un salarié sans bureau fixe d'une entreprise parisienne, de Laurence, qui est manager, qui vient faire ses entretiens annuels, ses entretiens de recrutement, ou encore des plus de 350 événements professionnels, séminaires, after work, job dating, que nous avons organisés depuis notre ouverture. Parce que c'est bien là la force d'un café de quartier professionnel, c'est de pouvoir répondre par un lieu à une multitude de besoins. C'est un modèle qui fonctionne, puisque nous ouvrons nos portes au mois de mai 2018, nous commençons à gagner de l'argent dès le mois de septembre de la même année. En 2019, nous devenons l'espace de coworking le mieux noté de la région sur Google. Et fin 2019, c'est notre premier exercice rentable pour un chiffre d'affaires qui s'arrête à 250 000 euros, une rentabilité de 20%. À noter que 40% de ce chiffre d'affaires est réalisé sur le seul dernier trimestre, ce qui est un marqueur de croissance important. Notre activité se répartit alors pour 2/3 sur l'activité d'événementiel professionnel et pour 1/3 sur l'activité de coworking, la moitié étant générée par des salariés. Un point sur le Covid, c'est incontournable aujourd'hui. Bien entendu, la partie événementielle professionnelle en a beaucoup souffert. Néanmoins, on constate un retour à la normale depuis le mois passé, tendance qui se confirme actuellement sur le mois d'octobre et le mois de novembre. Partie coworking, c'est plutôt l'effet inverse, puisque nous constatons un quasi-doublement de l'activité par rapport à l'ISO 2019.
Un mot sur l'équipe. Donc Yannick l'a précisé, nous sommes quatre aujourd'hui. Moi-même qui suis donc le seul associé fondateur et responsable hospitalité sur le site de Lille. Nous avons également Manon qui est avec nous depuis 2 ans et que nous sommes en train de former pour prendre la responsabilité du site de notre première duplication. Louise qui travaille sur des sujets de communication, d'animation de communauté. Et Romain qui vient tout juste de nous rejoindre pour travailler à la commercialisation de nos offres de formation et d'ateliers. Donc en 3 ans, nous avons développé un modèle qui est stable, qui est rentable et qui est duplicable. Il est temps pour nous de nous attaquer à notre ambition de fond, à savoir construire le premier réseau de coworking de proximité de la région de France. Parce que j'ai une conviction qui me vient du Crédit Agricole et qui est forte, c'est que l'avenir du coworking passe par le télétravail et réciproquement. On l'a vu à travers la crise Covid qu'on vient de rencontrer, la question du télétravail à domicile pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Et le coworking vient apporter une solution en dédiant un espace de travail à proximité du domicile du collaborateur. Et ça permet de sécuriser en fait la relation managériale en s'assurant que le collaborateur est bien au travail dans un lieu consacré au travail. Et du même coup, ça permet également de lui garantir des conditions de travail de qualité et convenables. La problématique aujourd'hui, c'est que 90% de l'offre de coworking elle est concentrée sur le triangle Lille-Roubaix-Tourcoing, alors que les collaborateurs habitent de plus en plus loin. Il est donc nécessaire de rapprocher les espaces de coworking des lieux de vie des collaborateurs. Un effet bonus, les coworkings sont également fréquentés par des porteurs d'innovation sur un territoire, et c'est donc l'occasion pour les collaborateurs de les rencontrer sur leur lieu de travail. Ça m'amène au deuxième sujet de fond. Les espaces Clockwork sont des plateformes qui permettent de fédérer des réseaux d'acteurs économiques, des écosystèmes. Et en densifiant le réseau, demain, il est possible de travailler sur des synergies entre territoires pour les animer. Il sera possible d'ailleurs de travailler sur des projets à impact, sur les thèmes qui nous sont chers, des thèmes comme l'insertion professionnelle, l'innovation ou l'entrepreneuriat. Mais construire un réseau, ça prend du temps, et c'est la raison pour laquelle nous sommes vigilants dans nos ouvertures à nous assurer que chaque espace est rentable, autonome, en partant de son marché local. C'est la raison pour laquelle nous ciblons des agglomérations qui font plus de 100 000 habitants, qui sont connectées par rapport au territoire de Lille sur les trajets domicile-travail, parce que nous avons ce fil rouge, ce fil conducteur, celui du télétravail, et dont la structure de la concurrence nous permet une différenciation tant sur l'activité coworking que sur l'activité d'événementiel professionnel. Nous avons bénéficié d'une étude de marché financée par notre premier partenaire, la Caisse des dépôts, qui nous a permis d'identifier 3 territoires prometteurs pour nos futures implantations, qui sont les territoires de Douai, de Béthune et d'Arras. Le projet de cette levée de fonds vise à ouvrir parmi ces 3 territoires 2 nouveaux sites et de financer une extension de notre activité sur l'île. En nous basant sur cette étude, sur nos bases de prospects, nos bases de clients, nous estimons un premier résultat consolidé positif dès la deuxième année d'exploitation, en nous basant sur un taux d'occupation moyen en plein régime qui est plutôt conservateur, plutôt prudent, de 50%. Pour financer cette opération, nous cherchons à lever 700 000 euros. La Caisse des dépôts nous a confirmé notre entrée en vivier à hauteur de 49% du besoin. Reste donc à financer aujourd'hui 360 000 euros. Au niveau de l'utilisation des fonds, pas vraiment de surprise, nous sommes des projets immobiliers. L'essentiel du budget est donc consacré à l'aménagement et aux travaux. Nous avons prévu également une enveloppe de 200 000 euros pour soutenir l'exploitation pendant la phase de lancement d'activité. 7 minutes, c'est un peu trop court pour aller au fond d'un sujet aussi vaste et complexe. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de prendre vos questions ce soir. Dans un second temps, je vous invite à venir chez nous, à venir visiter notre espace et découvrir notre ADN, notre culture, ce que nous avons construit. Et on pourra discuter à ce moment-là de nos propositions pour construire un avenir désirable. Merci Florent. Vous êtes lancé en quelque sorte starting block par la Caisse des dépôts. On peut dire que vous êtes un moyen de revitaliser les centres-villes qui manquent d'espaces professionnels. Vous parlez de café de travail professionnel. C'est une notion qui est un petit peu nouvelle, puisqu'on rappelle votre originalité par rapport à un espace de coworking traditionnel, c'est que la personne qui vient chez vous, elle a un bureau dans son entreprise, la plupart du temps. Tout à fait, dans la quasi-totalité des cas. En fait, on n'est pas vraiment loueur de bureaux et je pense que c'est probablement notre plus forte différenciation par rapport à ce marché. Nous sommes probablement le seul coworking de France à ne pas louer des bureaux. On est vraiment sur une offre qui est complémentaire et qui vient s'intégrer sur un marché déjà établi.
Par rapport au point pardon, sur les cœurs de ville, effectivement, ça a été un point d'accroche très fort auprès de la Caisse des dépôts, qui est très sensible à la notion de maillage territorial et à la notion d'animation des cœurs de ville. Et comment elle vous aide alors, la revitalisation des centres-villes, comment elle fait pour vous soutenir? Alors, en se positionnant en fait comme premier investisseur sur notre levée de fonds. C'est uniquement un investissement ou ça va au-delà? Alors, pour l'instant, c'est uniquement un investissement. Dans un second temps, on a aussi une logique d'animation de nos lieux qui nous permettra d'identifier des projets à impact et des projets cœur de ville qui pourront être supportés par la Caisse des dépôts. Alors, vous êtes boulevard Carnot à Lille, 400 mètres carrés. Il y a un projet d'extension d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a un peu de foncier disponible à cet endroit-là. Tout à fait. Donc, on comprend bien, vous renforcez votre présence à Lille. Et vous partez en maillage sur l'ensemble de la région, en commençant par les trois villes que vous avez citées. C'est bien ça? C'est bien ça. Ok, il y a une question. Différence avec les autres coworking de la région lilloise? Alors, on a un petit peu répondu. Effectivement, c'est la principale différenciation, c'est que nous ne faisons pas ce que nous appelons des bureaux résidentiels. Mmh. Typiquement, si vous voulez, dans un espace comme le nôtre, nos coworkers remportent leurs affaires le soir. Ils viennent vraiment chez nous quand ils ont un besoin, essentiellement soit pour sortir de leur quotidien, pour rencontrer leurs équipes. Nous avons beaucoup de salariés qui viennent chez nous pour s'inspirer, se mettre au vert, ou tout simplement pour rencontrer des partenaires quand leurs bureaux sont soit éloignés du centre-ville, donc inaccessibles, soit pas adaptés pour rencontrer des personnes extérieures. Alors, vous êtes 1800 coworkers, il y a un noyau dur d'habitués de 200, il y a des solutions d'abonnement ou de forfaits prépayés pour les habitués, c'est ça? C'est bien ça. Une espèce de système de une carte de fidélité en quelque sorte. En fait, c'est plutôt un engagement vis-à-vis de l'espace. Notre positionnement ici aussi est particulièrement original, puisqu'habituellement, dans un espace de coworking, vous avez un abonnement mensuel. Or, par rapport à notre marché, par rapport aux problématiques auxquelles on répond, nos clients n'ont pas forcément de visibilité sur le volume d'espace de travail dont ils vont avoir besoin dans 2 semaines, dans 1 mois ou dans 6 mois. Donc ce choix du forfait prépayé, ça permet en fait de leur fournir une enveloppe de crédit qui s'adapte à leurs besoins, et pas l'inverse. C'est un stock de temps, en quelque sorte? Tout à fait, c'est un portefeuille virtuel. Un compte épargne-temps, en quelque sorte? Voilà, c'est ça. Voilà, une durée dont il dispose. Tout à fait. Ok. Donc voilà, ils sont contraints de temps. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche bien. Comment expliquer votre succès? Alors, parce que 3 ans, même pas, hein, ça va très très vite. Déjà près de 2000 coworkers, c'est quand même beaucoup. Oui, alors ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'on a fait, un benchmark, une étude de marché assez profonde avant de se lancer. Et on avait bien identifié cette problématique d'avoir un lieu qui réponde à des besoins qui soient ponctuels et pas permanents. Et aujourd'hui, sur la ville de Lille et je pense même sur la métropole, on est à peu près les seuls à le proposer. Et surtout sur un format qui est vraiment adaptable par rapport aux besoins du client. D'accord, c'est pas un tiers-lieu au sens associatif du terme? Non, alors le tiers-lieu aujourd'hui est un terme qui est vraiment très connoté, qui associe beaucoup de types d'espaces très différents. Mmh. Nous, on préfère vraiment se revendiquer plutôt de l'univers du coworking. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs contribué à la création du premier syndicat professionnel des entrepreneurs du coworking en rejoignant le CINAF. D'accord, il y a des questions. Alors, quelle économie d'échelle en dupliquant les sites? Alors, les principales économies d'échelle, elles seront d'une part sur... sur les fonctions transverses, sur la commercialisation, sur la force de vente, notamment pour tout ce qui est formation et atelier. Deuxième économie d'échelle, c'est par rapport en fait à la réutilisation de nos bases clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la dimension événementielle professionnelle, nous recevons aussi bien des entreprises que des institutionnels qui ont des problématiques de roadshow. Et aujourd'hui, en fait, l'essentiel de cette activité, elle est vraiment concentrée sur le territoire de la Melle. Or, il y a une nécessité à déconcentrer ce type d'animation vers les territoires, et notamment à travers des projets cœur de ville. On a une question également d'un Lensois qui nous dit quels sont vos critères de sélection et pourquoi Lens n'est pas un lieu propice. Pourtant, c'est une ville extrêmement dynamique actuellement avec plein de projets. Alors, on a étudié Lens. Elle fait partie du scope de l'étude de marché proposée par la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, le territoire de Lens n'est pas suffisamment mature pour nous sur le plan économique. Par contre, ça fait effectivement partie des villes qui viendront plutôt dans un volet 2. Les collectivités enverront les projets? C'est comme ça que ça fonctionne? C'est du bottom-up? Les collectivités, elles envoient leurs projets? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Moi non plus. Moi, je n'ai pas osé la poser, je n'ai pas compris la question. Les collectivités enverront les projets. Je n'arrive pas à dire. Est-ce que vous travaillez avec des collectivités, c'est peut-être ça? C'est ça, en fait. Il faut remonter des besoins d'implantation. Alors, c'est quoi le cheminement? On a des interlocuteurs auprès des collectivités locales, des villes et des agglomérations. On les a rencontrés, on a échangé avec eux, notamment pour essayer de repérer les bons endroits sur lesquels nous installer. Par contre, aujourd'hui, nous ne sommes pas sur un financement public. Donc, nous sommes vraiment un projet
projet privé. Alors, il y a quelque chose d'important à signaler quand même. Une minute et demie, ça va, on a encore le temps. Vous travaillez avec le réseau Alliance pour une économie responsable, un gros réseau, hein, plus de 450 entreprises en réseau. C'est de la RSE, c'est génétique chez eux depuis 1983. Pourquoi travailler avec eux et ça vous apporte quoi? Alors le cet écosystème particulier. Le partenariat s'est fait en fait de manière assez naturelle puisqu'on a été accompagné sur le collectif Jeunes Pousses lorsqu'on a créé l'entreprise. Notre sujet de fond, on parle de télétravail, on pourrait tout aussi bien parler de démobilité. Et aujourd'hui, sur les problématiques de mobilité à l'échelle de la région, on n'a pas vraiment de solution autre que de venir réinterroger la nécessité à se déplacer. Et donc c'est le principal point d'accroche avec le réseau Alliance aujourd'hui, c'est ce sujet-là. Combien ça coûte de créer un site ? Alors, ça va dépendre de la superficie et de l'emplacement. En général, j'utilise moi une fourchette entre 400 000 et 600 000 euros en fonction du bâtiment. Sachant que sur les villes sur lesquelles nous souhaitons nous implanter, nous avons déjà des projets immobiliers identifiés. Et vous m'avez dit, le coworking, c'est l'avenir du télétravail. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est parti, ce n'est pas une marotte. Je pense qu'aujourd'hui, le coworking n'est pas encore perçu par les employeurs comme la solution idoine pour le télétravail des collaborateurs. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui en ce moment, une vraie prise de conscience au niveau des DRH. Néanmoins, la problématique, c'est une problématique d'offre. Les espaces de coworking ne sont pas aujourd'hui au bon endroit. Et donc, c'est bien cette problématique-là à laquelle on s'attaque demain. Et bien voilà, c'était très important à rappeler. Une dernière question, pourquoi privilégier le coworking versus télétravail, calme, installation, etc. Les deux ne sont pas opposés. En réalité, chaque personne a des besoins pour travailler qui sont différents d'une personne à l'autre. On a des personnes qui travaillent très bien de chez elles, il faut pouvoir les laisser travailler de chez elles. On a d'autres personnes qui ne savent pas travailler de chez elles et qui ont besoin d'un espace qui soit connecté avec des gens pour ne pas travailler en isolement ou tout simplement d'avoir un espace de qualité. On l'a vu dans la crise Covid, hein, on a des vraies inégalités en termes d'équipement, en termes de logement, des personnes qui vivent à plusieurs, qui partagent le même espace ou à l'inverse, qui sont en parfait isolement. Le coworking vient solutionner une partie du problème. Par contre, il ne sera pas adapté pour tout le monde. Merci Florent, on peut vous applaudir une nouvelle fois. Merci. Et pour terminer, on refait une bascule dans un univers encore complètement différent. Nous accueillons Henri Desesquel. Henri, s'il vous plaît, avec nous. Comme à la télé, un petit peu de gel. Voilà. Alors là, avec vous, on est dans les agritech. Et dans les agritech, on va comprendre tout de suite, vous êtes fils agriculteur à Montdidier, Centrale Sup à Paris, ESSEC Business School. Votre père est un polyculteur, hein, céréales, betteraves, pommes de terre, du grand classique dans la région des Hauts-de-France. Okay. Jusque-là, tout va bien. Et puis en 2019-2020, il fait très chaud, il fait très sec, c'est la canicule. Et là, il faut de l'eau. Il faut irriguer. Et vous êtes ingénieur et comme vous avez une tête plutôt bien faite, vous proposez à papa une solution. Ça s'appelle Oscar. C'est un robot qui permet d'irriguer en le commandant à distance. Ça a l'air de rien. On va le voir, Oscar, dans quelques minutes. Mais ça peut faire gagner beaucoup de temps et épargner beaucoup de soucis aux exploitants agricoles. Vous avez 7 minutes pour nous dire ce qu'il en est. Merci beaucoup. Bonjour, je vais vous présenter Osiris Agriculture, le premier service européen qui économise du temps, de l'eau, des intrants, de l'argent en somme, aux producteurs de pommes de terre et de légumes de plein champ. Aujourd'hui, les agriculteurs y cherchent de la rentabilité, comme beaucoup de gens dans la société. Dans notre région, ils cultivent des cultures d'industrie, tout ce qu'on va retrouver sous forme de surgelés, de conserves, de chips, pommes de terre, carottes, oignons, haricots, épinards. Et ces cultures, elles sont chronophages, en temps de travail manuel, aliénant, elles sont consommatrices d'eau et elles sont consommatrices d'intrants, c'est-à-dire tout ce qui est produits phytosanitaires et engrais. On va se focaliser sur les deux premières parce que c'est vraiment quelque chose qui est lié à la tâche d'irrigation. Aujourd'hui, on irrigue avec les mêmes machines depuis 50 ans, les grosses bobines de tuyaux avec un canon au bout qui envoie de l'eau en l'air. Et ça, c'est pas efficace en termes d'utilisation de l'eau. 7,5 litres d'eau pour 150 grammes de pommes de terre, c'est-à-dire une portion de frites chez une grande chaîne de fast-food. Et puis, c'est aussi 350 heures de travail entre juin et août pour un agriculteur qui cultive 50 hectares. C'est à peu près la moyenne en Hauts-de-France. On a donc développé un robot qui est capable d'entièrement automatiser cette tâche, de réduire la contrainte de travail. L'irrigation, c'est aussi le week-end, c'est aussi les jours fériés. Ça a des horaires pas sympas. Et puis, qui fait faire des économies d'eau
immédiatement, moins 10%, moins 30% en intégrant le meilleur des technologies. Et moins 30%, c'est ce qui aujourd'hui se fait de mieux, mais que les agriculteurs ne peuvent pas se payer de par leur manque de rentabilité. Nous sommes 3 fils et frères d'agriculteurs, 3 diplômés d'école d'ingénieurs avec tout ce qu'il faut pour créer un robot, mécanique, robotique, électronique. 3 personnalités complémentaires aussi, optimistes, pessimistes, passionnés, qui font des étincelles au service de ce projet. Et puis une répartition des tâches en fonction de nos domaines d'expertise, avec plus du business, plus du produit, plus de l'opérationnel. On a créé 2 innovations majeures lors de ces 12 derniers mois, un robot et un modèle économique qui est le modèle du service. Le robot, c'est Oscar. Le voici, c'est notre prototype à l'échelle A1 qu'on a entièrement créé, capable de se déplacer entièrement tout seul en suivant une trajectoire des GPS, de dérouler son tuyau pour être en permanence alimenté en eau, et puis aussi d'arroser sous la végétation, là où l'eau est nécessaire, au pied de la plante, ne pas subir le vent, ne pas subir l'évaporation, vraiment avoir un maximum d'efficacité dans cette utilisation. C'est un robot qui est breveté, qui est autonome, qui embarque très peu de batterie grâce à l'hydroélectricité, il génère son électricité grâce à l'eau sous pression, et puis c'est ce qui tend vers l'agriculture intelligente sur des surfaces allant jusqu'à 20 hectares. De l'autre côté, il y a le modèle du service, tout compris pour l'agriculteur. Un modèle où on s'occupe de la maintenance, de la mise en place, de la réparation. Pour l'agriculteur, c'est beaucoup plus de flexibilité, moins de capital à investir, moins de stress lié aux machines telles que celles-ci high-tech, moins de temps de travail. Et puis c'est aussi plus de rendement par une meilleure efficacité des intrants, et donc plus de durabilité, c'est plutôt dans l'air du temps. Grâce à la technique, on répond à tout ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, autonomie, plusieurs fonctionnalités, l'efficience de l'eau au maximum, la flexibilité pour s'adapter par exemple aux éoliennes, aux haies qu'on a par chez nous. Et puis grâce au modèle du service, on va cocher toutes les cases économiques, le faible besoin en capital et le coût total maîtrisé. Pour nous, le robot as a service, comme diraient les anglo-saxons, c'est un revenu récurrent. C'est aussi une facilité d'accès au marché aujourd'hui parce que l'agriculteur n'a pas besoin d'acheter sa machine. On a plus de demandes pour nos tests l'année prochaine que ce qu'on va pouvoir fournir. La maximisation du retour sur investissement est aussi importante pour nous. L'irrigation, c'est 4 mois dans l'année. On peut faire d'autres tâches avec cette machine, épandage de lisier, épandage de digestate méthaniseur. Nous, on aura le temps de s'en occuper, l'agriculteur non. Et finalement, on est aussi aligné sur la durabilité. On parle beaucoup d'obsolescence programmée pour la haute technologie. Quand on vend un service, le but, c'est que la machine elle dure le plus longtemps possible. Notre vision, c'est de faire toutes les tâches, hors plantation et récolte, sur toutes les cultures d'industrie. Irrigation, fertilisation, protection des cultures contre les maladies et les ravageurs, désherbage. 10 à 30% d'économies d'eau, des économies d'énergie, d'engrais, de produits phytosanitaires, et puis du temps de travail enlevé, et notamment de l'astreinte en week-end, pour que les agriculteurs aient enfin des week-ends de libre. Notre marché initial, c'est la pomme de terre irrigable, 700 euros par hectare aujourd'hui. On peut en capter 400 à 500 minimum, sans surcoût pour l'agriculteur, parce que notre robot, il automatise la tâche et il fait faire des économies d'eau immédiatement sur ce qui est déjà dépensé. C'est un marché qui est solvable, qui est concentré. Les 2/3 de la production ont lieu dans les Hauts-de-France. Puis on le connaît, comme l'a dit Yannick, moi je suis fils de producteur de pommes de terre. 53 000 hectares du coup dans les Hauts-de-France de pommes de terre irriguées, 300 000 en Europe, 650 000 si on inclut toutes les surfaces de légumes. Et puis si notre robot il va au-delà des légumes, notamment sur les céréales qui sont irriguées, c'est 10 millions d'hectares qu'on va pouvoir parcourir. C'est donc un très beau marché et quelques kilomètres à parcourir. On pensait viser les jeunes parce que c'est eux qui valorisent le mieux le temps de travail et l'équilibre de vie qu'on leur fait gagner. En discutant avec un maximum d'agriculteurs, on s'est rendu compte que les gros exploitants sont aussi extrêmement intéressés parce qu'ils n'arrivent pas à recruter aujourd'hui des salariés compétents qui sont aussi déterminés à faire ces tâches qui sont rébarbatives, pénibles. Donc on a fait évoluer notre cahier des charges techniques de notre prototype pour réussir justement à les servir. On est soutenu par la région Hauts-de-France, par la BPI et son programme Deep Tech. On est leader sur un consortium européen pour créer l'agriculture de demain financée par une subvention H20. On est accompagné par beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs. Et puis on a obtenu un prêt d'honneur pour augmenter nos fonds propres. Et on travaille sur un advisory board pour vraiment travailler l'industrialisation. En somme, on est là pour faire un service direct dans les Hauts-de-France, notre équipe d'internes de commerciaux, de techniciens, et ensuite d'étendre avec des partenaires commerciaux à qui on va vendre la machine et fournir le package complet autour. On a des influenceurs potentiels avec des agro-industriels et des administrations. Notre prototype actuel en 2021, il fonctionne, on l'a testé. On va faire 2 à 3 versions l'année prochaine, 30 robots une fois qu'on aura tous les retours techniques en 2023, première année d'industrialisation qui mène vers une rentabilité en 2024, avec notamment 30% de revenus récurrents quand on montera en puissance jusqu'en 2026. Ce revenu récurrent, c'est les 500 robots en service direct dans les Hauts-de-France,
C'est-à-dire qu'en 2026, il y aura 500 robots qu'on mettra en prestation de service dans les Hauts-de-France, plus 150 robots vendus aux agriculteurs. Bien entendu, il faut financer tout ça. Pour finir, on a un besoin aujourd'hui de 500 000 euros en dilution, l'effet levier classique, 55% pour de la R&D et de l'industrialisation, 45% pour l'année 2023, les premiers efforts de vente, les premiers robots mis en service auprès des agriculteurs. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous aussi vous voulez avoir un impact global sur notre société par la nourriture, aidez-nous à servir les agriculteurs et l'agriculture pour avoir des frites les plus durables possibles. Henri, viens là parce qu'il y a la caméra et on ne te voit pas directement avec le... J'ai l'impression que la chute, elle était préparée à l'avance, non? Effectivement, ça... Ah. ça... C'est quoi la différence? Parce que ça paraît tellement bien, cette agriculture de précision, pour économiser de la ressource, de la matière, du temps, de l'énergie. Ça coche effectivement toutes les cases, on a vu le tableau tout à l'heure. C'est quoi la différence par rapport aux concurrents? Est-ce que vous en avez déjà? Ouais, par rapport aux machines classiques d'irrigation, on combine tout ce qui se fait le mieux en fait. L'efficacité hydrique de la micro-irrigation, donc de ces tuyaux qui font du goutte à goutte, mais qui sont très longs à implanter et qui sont deux fois plus chers que ce fameux canon en rouleur qu'on voit partout dans notre champ, qui lui est utilisé par les agriculteurs pour la bonne et simple raison que c'est très flexible. On peut faire n'importe quelle parcelle, n'importe quel type, des pointes, des éoliennes, des haies, on s'en fiche, on peut arroser. Ça fonctionne. Et nous, en fait, on a une machine qui est robuste, qui a cette flexibilité grâce à son autonomie, grâce à sa petite taille, même si ça ne se voit pas, mais pour une machine agricole, c'est petit, et qui, en plus, a cette efficacité hydrique grâce aux technologies qu'on a développées pour aller arroser au pied de la plante. L'eau est quasiment gratuite pour un agriculteur aujourd'hui en France. Ce qui coûte cher, c'est l'électricité pour pomper l'eau et le carburant aussi. Tout à fait. C'est ça qui intéresse vos premiers clients? Totalement. Aujourd'hui, on le voit, l'augmentation du prix de l'énergie est quand même une contrainte. Grosso modo, c'est 3 centimes du mètre cube. Donc, c'est pas grand-chose pour un agriculteur. Par contre, la facture d'électricité derrière, elle est très importante. Elle représente quasiment 50% des 700 euros de l'hectare dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est là où les agriculteurs vont avoir un réel intérêt à faire des économies d'eau. C'est un prototype? Est-ce qu'il y a des marques d'intérêt déjà? Est-ce qu'il y a des précommandes? Vous en êtes où en développement commercial? Alors, on n'a pas de précommande parce que tout simplement, on fait encore évoluer la version. Par contre, on a des lettres d'engagement. On avait une quinzaine d'agriculteurs qui sont venus voir le robot fonctionner. On en a 15 qui ont signé des lettres d'engagement écrites disant qu'ils étaient très intéressés. En termes d'intérêt, on a aussi un concurrent potentiel qui s'appelle Eri France, qui est la plus grande société de productrice de machines d'irrigation qui nous a sollicité. On a des distributeurs, le plus grand distributeur de machines d'irrigation des Hauts-de-France, qui nous a sollicité pour qu'on puisse discuter avec eux de comment commercialiser notre machine. Ça coûte combien un robot? Justement, c'est une mise au point ça, très bonne question, parce qu'en fait vous ne le vendez pas votre robot. Non, effectivement, on ne le vend pas, on vend du coup la prestation de service. Voilà. On va commencer à 500 euros de l'hectare par an. L'idée c'est de monter avec les services additionnels sur la fertilisation, sur la protection des cultures, à au moins 700 euros de l'hectare assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment le coût que ça aura pour l'agriculteur. C'est cet abonnement à l'hectare, on va dire, annuel. Vous visez combien de robots, alors, en fait, dans votre... année N plus 1. L'année prochaine? Oui. L'année prochaine, on cherche à avoir 3 robots, c'est-à-dire une version pré-industrielle. On est vraiment sur un prototype qu'on a entièrement construit. L'idée, l'année prochaine, c'est d'avoir 3 robots avec des fournisseurs industriels, des sous-traitants, quelque chose qui va ressembler au produit fini et qui va être déployé chez 3 agriculteurs pour réussir à avoir pas mal de retours. On a des questions extrêmement précises. Attention, la largeur de rang est-elle adaptable? Effectivement, la largeur de rang, c'est une vraie question. Aujourd'hui, les pommes de terre sont cultivées, on va dire, principalement de 3 types. Butte de 90 cm, butte de 70 cm, et puis une double butte de 90 cm. Et du coup, on a créé, pas sur le prototype, mais sur la version suivante, la possibilité de s'adapter à cette largeur. Pour aller sur les autres cultures aussi, c'est obligatoire, c'est pas les mêmes largeurs. Donc, oui, c'est le cas. Et maintenant, un petit problème, comme à l'école. Sachant qu'on a 20 hectares par robot, combien de robots par exploitation? Dans l'idée... Au début, du moins, une exploitation va prendre un robot. La taille moyenne d'une exploitation, parce On est sur 50 hectares, 60 50 hectares dans les Hauts-de-France, donc on peut aller jusqu'à 3 robots par exploitation en moyenne. Mais dans l'idée, au début, l'agriculteur va s'équiper d'un et ensuite va passer au deuxième et au troisième s'il en est content. Et du coup, ça, vraiment, la barrière à l'entrée, elle est quand même plutôt assez faible.
même très faible et l'investissement est inexistant. Vos robots, ils vont tourner dans plusieurs exploitations, je présume. Mais le problème, c'est que toutes les exploitations, quand il fera sec, ils voudront toutes l'utiliser. Et s'il pleut, personne ne voudra les utiliser. Tout à fait. Alors, un robot, c'est vraiment une surface, on va dire, à l'année. Donc, ça peut tourner chez différentes exploitations, mais sur différentes années. L'irrigation, effectivement, c'est 4 mois dans l'année. Ça ne servira que 20 hectares par an. C'est pour ça qu'on travaille sur comment casser cette saisonnalité et sur les tâches d'épandage de lisier ou de digestate méthaniseur qui, eux, ont lieu à une autre époque. Et les fertilisants aussi, les phytos. Par exemple. Même chose. Est-ce que vous attendez d'avoir bien amorti votre développement, votre modèle sur l'eau avant d'envisager sérieusement les choses sur les phytosanitaires ou vous menez les combats sur plusieurs fronts à la fois ? Là, on est encore sur une année focalisée sur l'irrigation pour faire un produit robuste qui va nous permettre vraiment de capitaliser et notamment de récupérer de la donnée sur les plantes. Et puis après, le but, c'est de développer en parallèle les activités sur les produits phyto. Alors, certainement dans un premier temps, non pas sur l'application du produit phyto, mais sur comment cibler ce produit phyto. Et l'avantage de notre robot, c'est que l'irrigation, on passe souvent. Donc on va pouvoir récolter beaucoup de données et faire des modèles très précis pour les agriculteurs pour qu'ils limitent leur utilisation de produits phytos. C'est vous qui amènerez les robots? Où sont-ils fabriqués? Au niveau logistique, comment ça va se passer? Pour reprendre la question de Thomas, c'est-à-dire il va y avoir plein de besoins d'un seul coup parce qu'il fait chaud, il va falloir irriguer tout le monde en même temps, comme les moissonneuses. Vous faites comment? Vous aurez un entrepôt, un hangar à robots, à Oscar? Comment ça va se passer? Tout à fait. Alors pour l'instant, on aura un entrepôt où ils seront stockés directement chez les agriculteurs parce qu'ils ont quand même de la place. Mais on aura principalement un entrepôt. On s'occupe de la mise en place et du déplacement. Ce prototype-là n'est pas du tout déplaçable. On a fait les frais récemment. Mais justement, pour la version d'après, on a appris et on crée un prototype, une version qui est déplaçable beaucoup plus facilement sur la route. Il nous reste une minute. Combien coûte une location d'Oscar ? Dis donc, aujourd'hui, ça 20 hectares, 500 euros de l'hectare. Je vous laisse faire le calcul. Oui, en tout cas, les agriculteurs savent calculer, donc en général, ça va au bout. Est-ce que vous avez déposé un brevet ? Tout à fait, on a un brevet sur l'ensemble du robot qui est capable de se déplacer de façon autonome, de dérouler son tuyau et d'arroser sous la végétation. On en a un deuxième sur une brique technique complémentaire que je ne vais pas dévoiler, puisqu'il n'est pas encore déposé. Les agriculteurs qui font très attention, justement, à leur argent et à ne pas dépenser trop, donc du coup, ils vont devoir s'engager sous forme de contrat. Ça va être un contrat annuel avec le robot ? On va avoir plusieurs possibilités. Le contrat annuel, voilà, pour simplifier l'engagement. Le contrat pluriannuel qui imite les contrats avec les industriels, type McCain, contrat sur plusieurs années, on vient copier. Vous êtes 3 aujourd'hui, ouais. Perspective de développement en ressources humaines. Oui, on a prévu d'embaucher au moins un CDI pour janvier, si ce n'est 2, selon les conseils qu'on trouve, donc un sur l'industrialisation, un sur la partie informatique software, et notamment pour dégager du temps aux cofondateurs pour déjà aller prospecter le marché. L'investisseur doit savoir faire la différence entre une patate et une betterave, ou c'est pas très grave finalement ? Non, c'est pas très grave. Il y a plein d'autres compétences qu'on cherche, notamment sur la partie industrialisation. On est 3 jeunes, on n'a jamais créé une machine comme ça à l'échelle industrielle, donc il y a des compétences qu'on peut aller chercher, notamment bon. Sur ce point-là. Et en attendant la prochaine cérémonie des Oscars, j'étais obligé de la faire, comment on travaille, avec qui on travaille? Vous n'êtes pas seul, vous êtes incubé à Itera qui vous soutient, hein, c'est un incubateur ainsi d'excellence à Beauvais, et vous êtes aussi à Euratech pour la partie agritech à Willems. Ça se passe bien. Vous allez les quitter bientôt pour vous installer quelque part. Tout à fait. Alors ça s'est très bien passé. On a eu de l'accompagnement, notamment sur la partie business entrepreneuriat. On est également rentré au village Baïséa sur lequel c'est pareil. On a de l'accompagnement et on est challengé sur des moments comme ça. Et puis on vient de prendre des locaux en banlieue lilloise pour notamment la taille de notre machine. Bon. On ne peut pas faire ça en centre-ville. C'est bien parti. En tout cas, merci. Je pense qu'on peut vous applaudir. Henri Desasquel. Eh bien, il me reste à conclure cette soirée. Je voudrais d'abord remercier nos 4 porteurs de projet, Valentin de Moa, Cécile de Tribé, Florent de Clockwork, Henri d'Osiris. Comme vous avez vu, tous ces 4 projets étaient très différents. Vous pouvez les retrouver chacun sur leur petit corner. Ils seront faciles à identifier. En tout cas, il y en a en jaune qui sont très faciles à identifier. Les autres, vous verrez, il y a des petits corners avec leur nom. N'hésitez pas surtout à aller leur poser des questions. Je vois d'ailleurs qu'il y a eu toute une série de questions pour Osiris auxquelles qu'on n'a même pas pu poser tellement il y en avait. Donc, il y a des gens qui sont très
passionnés par l'agriculture ici. Merci aussi à notre animateur Yannick, bon, qu'on connaît puisque ça fait quand même quelques années que tu nous accompagnes, et un grand merci en tout cas pour tes questions et le travail que tu fais pour préparer ces soirées pour qu'elles soient le plus interactives possible. Merci à nos sponsors de toujours, la région, l'AMEL. Merci à tous nos partenaires incubateurs. Je ne peux pas tous les citer. Ah ben voilà, ils sont derrière moi, donc c'est parfait. Sans eux, ben on ne pourrait pas arriver à présenter tous ces dossiers. Un grand merci à eux. Bravo pour tout le travail qu'ils font. Merci à tous nos partenaires BA présents et nos partenaires investisseurs. Sans vous, on ne serait rien non plus. Donc, c'est formidable. Et je remercie surtout tous les BA parce que chaque petit euro investi dans notre région, c'est nécessairement de l'emploi pour notre région et le bien-être de toute notre région. Et on voit aujourd'hui effectivement les effets positifs sur l'économie de manière générale de toutes ces sociétés, toutes ces start-up qui se développent, et bravo à elles. Alors, je voudrais rappeler quelques dates. D'abord, le 14 octobre, nous avons cet After Work ambassadeur de l'innovation où on retrouve tous nos anciens dossiers, enfin, tous les lauréats, voilà, qui nous rejoindront. Alors, par contre, c'est réservé exclusivement aux lauréats. Et je remercie les deux sponsors de cette soirée, Finorpa et la Banque Populaire du Nord. 19 octobre, la CIO Academy, c'est une nouveauté qui est lancée par Eurasanté. C'est un pitch de porteurs de projets en santé et nutrition qui souhaitent trouver un CIO à leur équipe, car c'est un gros problème qui est fréquent, c'est que les startups cherchent et ont besoin de CIO, et c'est pas toujours facile à trouver, donc c'est une innovation. On va voir ce que ça donne, mais c'est vraiment une très belle idée. 16 novembre, la Business Angel Academy, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas développer, et il me reste à remercier la Banque Populaire, dont je rappelle le slogan « La réussite est en vous » et « La réussite est en eux » pour nos porteurs de projets qui vous ont régalé ce soir. Je vous laisse passer une bonne soirée, boire un verre et naturellement rencontrer nos porteurs. Merci à tous.